C'est notre Seigneur, glorifie-toi dans nos vies de tous les jours, Papa. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Jésus-Christ de Nazareth, accepte de combattre pour nous jour et nuit, ô Dieu. Nous avons besoin de ton assistance jour et nuit, ô notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton concours jour et nuit. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton assistance. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes, Père de gloire. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes, Jésus-Christ. Christ de Nazareth, glorifie-toi à toujours, glorifie-toi à jamais, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, glorifie-toi, mon roi, glorifie-toi, mon Père, glorifie-toi, mon révélateur, Jésus de Nazareth. Je n'ai pas d'autre Dieu, je n'ai pas d'autre secours, je n'ai pas d'autre secours, si ce n'est toi le puissant de Jacob, si ce n'est toi le maître de temps, si ce n'est toi le maître des circonstances. Glorifie-toi dans ma vie, glorifie-toi dans la vie de tes enfants, glorifie-toi dans la vie de ton peuple, glorifie-toi Seigneur Jésus-Christ, ne nous abandonne pas à nous-mêmes, Rabbi, ne nous abandonne pas à nous-mêmes, Papa. Oh, interviens dans nos vies de tous les jours, interviens dans nos vies de tous les jours, Seigneur, interviens, Seigneur, ne nous abandonne pas à la merci de l'ennemi. Oh Dieu, sans toi, nous n'avons pas de force, sans toi, nous n'avons pas de secours, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous nécessitons ta présence. Nous nécessitons ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, glorifie-toi, Rabbi. Glorifie-toi, Jésus. Manifeste-toi, roi de roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Kulonanga Yosali Zambe. Yahweh, 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 Kulonanga Yosali Zambe. Kulonanga Kita Usala. Kulonanga Kita Pesa. Kulonanga Pesa Magasi. Kolonanga yosali zambe. Yahweh, 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 Kolonanga yosali zambe. Mon Seigneur, donne-moi la force. Mon Seigneur, ne m'abandonne pas. Mon Seigneur, viens me soutenir. Mon Seigneur, tu es le roi. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yosali zambe. Pour les hommes, moi je ne crains pas. Pour la loi, moi je ne crains pas. Moi je crains l'éternel, mon Seigneur est mon avocat. Yahweh, 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 Yahweh. Nous nous n'avons pas l'exemple. Mon Seigneur est mon docteur, mon Seigneur est mon défenseur, mon Seigneur est mon protecteur. Mon Seigneur m'a fait soutenir. Yahweh, 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 avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, nous avons la faveur. On te dit souverain. Et Yahweh, 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 nous en avons à les amis. Mon Seigneur, mon soutien. Mon Seigneur, mon secours. Mon Seigneur, mon appui. Et toi que les hommes diront. Yahweh, Yahweh.
mon Seigneur, mon allégresse, mon Seigneur, mon appui. Yahweh, 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 pour ta vie, prie avec ton cœur, prie de tout ton cœur, expose tes problèmes devant l'Éternel. Là où les gens t'ont dit il n'y a pas de solution, là où tu es arrivé au bout, tu n'as pas de solution, prie au devant de ton Dieu, dis à ton Dieu, le gouvernement m'a abandonné, le président m'a abandonné, la famille m'a déçu, l'Afrique m'a abandonné, l'Amérique m'a abandonné, l'Europe m'a abandonné, je ne sais pas où aller, Seigneur fais-moi grâce, je suis ton enfant, I am your child, Father God, oh I need your favor, I need your grace. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Son of the living God, we need you more than ever. Au nom de Jésus,
Nous avons besoin de toi plus que jamais. Si toi tu abandonnes, où est-ce que tes enfants iront? Ou si toi tu abandonnes, le monde va se moquer de nous. Le monde va se dire, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Seigneur, fais-nous grâce. My God, my Savior, if you forsake us, if you forsake us, the people gonna look at us. The people gonna mock us. Therefore, we need your favor. Therefore, we need your grace. Therefore, we need your blessing. We need your favor, Father God, in everything we are doing. The Bible says, the Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que je ne manque de rien, que ton église ne manque de rien, que mon frère ici présent ne manque de rien, que ma soeur ici présente ne manque de rien, que chacun de nous ne manque de rien. Seigneur, tu connais le besoin de tes enfants, tu connais le besoin de tes enfants, mon papa et mon roi, mon père et mon Seigneur. Il est écrit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, nous te présentons les désirs de nos cœurs ce soir, nous te présentons les désirs de nos cœurs, laisse que tu te manifestes. Laisse que tu te glorifies dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, de Jésus-Christ de Nazareth, mon Roi. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, le puissant de Jacob, maître de temps, maître de circonstances, accepte de te glorifier, accepte de te manifester. Oh, mon Père et mon Roi, c'est dans de moi comme celui-ci. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Père et mon Roi, mon Père et mon Seigneur, mon Père et mon Rédempteur, mon Père et mon Consolateur, mon Père et mon Rédempteur, manifeste-toi, oh Dieu. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, mon Père. Glorifie-toi, mon Rédempteur. Oh, Roi de gloire, qui d'autre, oh Dieu, si ce n'est toi, pourra se manifester, pourra se glorifier dans nos vies de tous les jours, si ce n'est toi le Roi de gloire, si ce n'est toi le puissant de Jacob, mon Papa et mon Seigneur, mon Papa et mon Rédempteur. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Père. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega, you are Yahweh, 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 Alpha and Omega. Pendant que nous sommes, nous continuons à chanter, mais à voix basse. Abaissons un peu nos voix. You are Yahweh. Is Yahweh is Alpha and is Omega. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Go on, again down and start thinking about what you are seeing. Commence à méditer à propos de ce que tu es en train de chanter. Fais de ce cantique, fais de cette chanson une adoration. You are Yahweh, Alpha and Omega. Avant ta naissance, il était Alpha. Alpha and Omega. Il savait que tu seras un jour aux États-Unis d'Amérique. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are
Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Tu sais, si tu chantes bien, Dieu commence à résoudre tes problèmes. If you can sing properly, with meaning, with your heart, God starts resolving your problems. Hey, you are Yahweh. The great I am, Jehovah Nissi. Oh, Jehovah Jireh, le Dieu de toute suffisance. Oh my God. Si tu places ta foi, ta confiance, ton espérance dans ce Dieu-là, tu ne seras jamais confus, tu ne seras jamais déçu dans ta vie, puisqu'il est capable de te transporter de l'Égypte, il te fait passer par le désert, il t'amène au Canaan. Oh, le Dieu d'Abraham, Yahweh, le Dieu de Daniel, Yahweh, Alpha et Omega. On les a jetés dans la fournaise. Yahweh ne les a pas abandonnés. Ce n'est pas toi qu'il va abandonner aujourd'hui. C'est tout que tu fais, Tripipo, Meshach, Shadrach et Abednego. They throw them in the furnace of fire. They look at him, they say, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are the creator of the invisible and the visible. What we can see and what we cannot see. You are the one who created this king. You are the one who created everybody. And if we are breathing, it's by your power, it's by your grace, it's by your mercy. Si nous sommes en vie, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta miséricorde. C'est toi qui as créé même le roi Nabuchodonosor. C'est toi qui as créé le visible et l'invisible. C'est toi qui as créé la terre, tu as créé les cieux. Mais nous voici maintenant dans des troubles, dans des problèmes. On jette et on veut nous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont oublié que c'est le Dieu. Le Dieu là, il s'appelle feu dévorant. Tu peux prendre ses enfants, tu le jettes dans le feu que toi tu as allumé. Mais le feu dévorant va consumer le feu là que tu as créé pour dévorer les enfants de Dieu. You are Yahweh, Alpha and Omega. Je suis au Congo, je suis dans mon pays. Je me dis, Seigneur, les gens sont en train de voyager, les gens sont en train de quitter. Mais moi, je n'ai ni passeport, je n'ai pas de visa, je ne sais pas où se trouve le consulat. Quand est-ce que je vais aller atteindre même Kinshasa? Puisque Kipushi et Kinshasa, c'est une grande distance. Je n'ai même pas de billet, je n'ai pas de transport, mais j'ai besoin d'aller aux États-Unis d'Amérique. Si tu as confiance en Dieu, tu peux manquer les papiers, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer les passeports, mais tu fais confiance en l'Éternel, Dieu te dit, fais le premier pas. Fais de tes souliers, de tes pieds, une voiture. Commence à aller. Les gens qui sont venus des États-Unis. Oh, hey, you are.
Yahweh. You are Yahweh, Alpha. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier pour ta vie ici aux États-Unis d'Amérique. C'est Dieu qui t'a amené aux États-Unis d'Amérique. Ne te considère pas comme quelqu'un qu'on va sacrifier, quelqu'un qui va souffrir. Non, Dieu te connaissait plus que Biden, plus que Trump, plus que Tshisekedi, plus que le président de Haïti, plus que le président du Congo, plus que le président du Gabon, plus que le ministre du Canada. Alléluia. Dieu te connaît bien plus que tout le monde. Il est Alpha. Il connaît comment il a commencé avec ta vie. Il est Emmanuel. Il connaît comment il est en train de te guider, de te diriger. Et il connaît là où il t'amène. Quand il te fait traverser par des problèmes, c'est pour seulement réveiller en toi ta confiance ainsi que ton alliance. Il veut te dire que rappelle-toi de là où je t'ai tiré. Remember where I took you from. Alléluia. J'étais en train de dire qu'un jour, Dieu me fait des promesses. Tu iras loin. Dieu me promet, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le passeport, je n'ai pas le transport, je n'ai pas le visa. Je ne sais pas comment arriver à Kinshasa, dans la capitale. Mais Dieu m'a dit que non, tu dois quitter. Nous sommes en train de parler sur la foi. We are talking about faith. La foi, c'est comme une folie. La foi, c'est comme la folie. Faith, it's like madness. I testify about Esther. How Esther died in Zambia, but by faith. Esther came back. J'ai expliqué comment. Sœur, ma sœur, donc, on nous dit, si la situation s'aggrave, ne revenez plus ici. Et ça, c'est un docteur expérimenté, un Américain. Il nous dit ça en Afrique, dans un hôpital où les Américains prélevaient nos sangs. Ce qu'on appelle médico-tech check-up avant de venir aux États-Unis. Il nous dit, si la situation s'aggrave, ne retournez pas ici. Pendant qu'il disait ça, j'ai eu le souci et la faiblesse. J'étais découragé, j'étais affaibli, amoindri, mais au même moment, le Saint-Esprit est venu m'assister, me réconforter. La Bible déclare, le Saint-Esprit, the Holy Spirit is our comforter. Hallelujah. Le Saint-Esprit est notre aide et il nous réconforte. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer. Hallelujah. We are talking about faith. And the series of teaching a name School of Faith, l'école de la foi. So the way you try to go in school to get a degree so that you can have a job, so that you can get hired. So in God also we have what we call School of Faith, l'école de la foi. So you have to learn how to become what God prepared you or predestined you to be. Tu dois aller à l'école de la foi pour que tu deviennes ce que Dieu t'a prédestiné. Puisque quand nous lisons la parole de Dieu nous montre que nous sommes la tête et non la queue. Mais si tu te trouves que tu es la queue, tu n'es pas encore la tête, il faut partir à l'école de la foi pour étudier comment je dois devenir la tête. La Bible déclare, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. They're gonna fight you, but they're not gonna take over you. They're not gonna have victory
over you. So now you have to learn these principles. You have to learn. You have to say, God, I am your child. Instead of seeing a victory, I'm living in defeat. Au lieu de vivre la victoire, je suis en train de vivre dans la perte. Je suis en train de vivre dans la défaillance. Alors, c'est par là que tu dois étudier la foi. Et comment est-ce qu'on étudie la foi? C'est ce que nous sommes en train de partager. Aujourd'hui, nous allons lire dans Hébreux 11, verset 17. We're going to read in Hebrews 11, verse 17. If you find it in any language, you can read. Si vous trouvez ça dans n'importe quelle langue, vous allez lire. Et avant de lire, j'aimerais que vous puissiez vous sentir dans la maison de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite. You're going to look everybody and you're going to wave to them and you're going to smile. If you never smile in your life, you show only your teeth like this. Si tu n'as jamais souri dans ta vie, tu montres seulement les dents et tu salues les gens. Alléluia. May God bless you. Yeah, Papa John, look at them, they look at you. Hello, may God bless you. I love you. And tell them that, yeah. It's not a sin to tell your Christian brothers and sisters that I love you. Ce n'est pas un péché de dire à tes frères et à tes sœurs en Christ que nous vous aimons, puisque notre amour, c'est l'amour de Dieu, ou bien l'amour de Christ. Alléluia. Oui, si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Je disais Hébreux chapitre 11, verset 17. Hebrews 11, verse 17. Please feel free to read. Offered up Isaac, and he had received the promises, was in the act of offering up his own son. Hebrews 11, 17. Is it that? Read again. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who received the promises was in the act of offering up his own son. Okay. Keep going. Maybe. Mm-hmm. Keep going. I'm going to tell you where to stop. Of whom it was said, to Isaac shall learn of his being. He considered that God was able to be the basis of the dead from which he did see that. But faith, Isaac involved the future blessings on Jacob and himself. But faith, Jacob went. When dying, he blessed each of the sons of Joseph, bound in worship over his staff. Continue. But then Joseph, at the end of his life, made the dimension of Exodus of the Israelites and gave direction concerning his bones. By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's name. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing not to be mistreated. It was the people of God that he to work in the presence of sin. Okay. Go back to Hebrews 11, verse 7. By faith, Noah, being warned by God about things not yet seen, reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je ne sais pas s'il y a une autre langue, mais avant de bien expliquer, rentrons au verset 6e. Nous allons lire encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Read 6. Read verses. Amen. Do we have another language? Il y a une autre langue? Ok. Frère Carlos, lisez, s'il vous plaît. Oui, oui, en créole. Créole ou bien français? C'est français, bien c'est créole. Ok, vous pouvez lire. Verset 6. Ok, oui. Arrêtez d'abord là-bas. So, read again in English, then I'm going to tell you where to stop. Stop there. Without faith, sans la foi. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir au devant de Dieu, mais il n'a pas la foi. Someone can come in the presence of God, but they don't have faith or they don't manifest faith. So it's like wasting my time if I go in. No, no. So it's a waste of time if I go in the presence of God, if I go in the presence of my Creator, if I sing, I jump, I sweat, I worship, I cast out demons. If I don't have faith, it's impossible to please God. Je peux chanter, je peux crier, je peux sauter, je peux avoir la sueur à mon front. Je peux prier plus que tout le monde, je peux crier plus que tout le monde, je peux même commencer à sauter, je peux tout faire de moi. Ah, vous regardez, vous dites, c'est pasteur, il a la foi. Regardez comment il est en train de bouger comme Diddy Jakes. Mais si je n'ai pas la foi, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de plaire Dieu. That means I'm not pleasing God. Comment est-ce que vous allez reconnaître que je n'ai pas la foi? Donc, dès que je quitte ici, les soucis commencent. Donc, j'oublie ce que j'ai demandé à Dieu. J'oublie même les promesses que Dieu m'avait faites depuis l'Afrique. Tu oublies les promesses que Dieu t'avait faites lorsque tu étais à Kinshasa. Tu oublies les prophéties qu'on t'avait données lorsque tu étais en Bougimaï. Tu oublies les paroles que Dieu t'avait dit concernant ton mariage. Ça, c'est manquer la foi. Et quand tu manques la foi, Dieu s'inquiète. Il est attristé, il est abattu. Il se dit, moi, n'a pas l'oumé. Donc, Dieu est en train de te regarder. Il se dit, mais c'est quel genre d'enfant, c'est quel genre de fille, de fils, malgré tout ce que je lui ai dit, dont il n'a rien saisi, il n'a pas confiance en moi. Whatever I told him, whatever I instructed him, what's wrong with you, my son? What's wrong with you, my daughter? So God is shocked. Because when he looks at you, it's like you forget everything. Instead of putting the word of God in your mind, in your heart, you put what people are saying instead of putting in your heart what God is saying. Clap for him. Dieu est en train de s'étonner. Lorsque, au lieu que tu prêtes attention et que tu gardes confiance à ce qu'il t'avait dit depuis que tu étais en Haïti, depuis que tu étais en train de traverser les eaux,
depuis que j'étais en train de traverser le feu, depuis que j'étais en train de traverser la frontière, alors que je n'avais pas de passeport, alors que je n'avais pas de papier, je n'avais pas d'argent, je n'avais ni femme, ni enfant, ni maison, je dormais à l'église. I was sleeping in church. No children, no wife. I was single. J'étais seul, singleton. Mais Dieu me fait la promesse que tu iras très loin. Je traverse la frontière seul. Je traverse la frontière sans passeport. Je traverse la frontière sans argent. Mais je fais confiance en Dieu puisqu'il m'a fait la promesse. Est-ce que tu as confiance dans ton Dieu? Alléluia. Moi, lorsque je partais, je ne regardais pas que, oh, ça c'est la Zambie, le président va dire, Mwanawasa va dire, oh, Chiluba va dire, oh, la constitution, oh, l'immigration. Ce n'était pas dans ma tête. Je me confiais en Dieu. Alléluia. Quand tu viens aux États-Unis, regarde ton Dieu. Look at your God. Whatever immigration can say, yeah, it's okay. But compare with what God told you. Hallelujah. Le docteur, le médecin peut dire que ta fille, sa situation va s'aggraver. Et si sa situation s'empire, ne reviens pas ici. Puisque le médecin américain a dit que non, 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 cette fille ici va mourir. Amen, amen. L'homme veut créer en vous la panique, le désespoir. Mais Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé avec vous. I know the plan. I know the project. I made, I formed, I forged for you. Project, plan not to harm you. Ce qui était là le dimanche passé, je disais que Dieu n'est pas quelqu'un, il est méchant, il te trique. Que non, ok, mon enfant Jean va passer par ici, mais je vais lui gifler. Non, Dieu n'est pas comme ça. God is not like that. That no, my son, Kazadi, going to pass here, I'm going to slap it. No, God is not like that. God is love. So if you conceive wrong how God is, who God is, and what he's thinking about you, you're gonna live in misery. Si tu conçois mal qui est Dieu pour toi, qu'est-ce que Dieu pense pour toi, tu vas vivre dans la misère. You're gonna be like someone who is cursed because you are thinking that God doesn't love me, God doesn't care about me, but you forget that the breath you are breathing comes from him. Hallelujah. You don't know even the inner part of your body, but God knows everything. Do you know where your stomach is? Do you know where your intestines are? You don't know, but God is the one who places everything there. You don't know how to number your hair, but God knows the number of your hair. Before even you are formed, in the womb of your mother, in the womb of my mother, God knew me. Dieu m'avait connu. Dieu t'avait connu. Avant même qu'il te forme dans le ventre de ta mère. Tes parents, nos parents, mes parents ne nous connaissent pas comme Dieu nous connaît. Our parents doesn't know us as God knows us. Clap for Jesus. This is the person in whom you have to put all your confidence. Ça, c'est l'homme en qui tu vas mettre toute ta confiance. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. The man of Galilee. This is the man in whom you have to put all your trust, all your confidence. But même si je ne vois rien aujourd'hui, demain ça ira. Confesse, c'est ça être un homme de foi, c'est ça être une femme de foi, que Dieu ne veut pas de mon malheur, Dieu ne veut pas de ma souffrance, même si aujourd'hui je souffre, mais il est le même Dieu aujourd'hui, hier et éternellement, il n'a pas changé. S'il a délivré Daniel
dans le trou au lion. Ce n'est pas moi que Dieu ne va pas délivrer. S'il a délivré, il a libéré Meshach, Shadrach et Abnego. Ce n'est pas moi qui ne va pas délivrer. This is how a man, a woman, a daughter, a son of faith walk with God. Even though there is no prophecy, this is your prophecy. Même si tu n'as aucune prophétie, ça c'est la prophétie. Même si tu n'as reçu aucune vision, la parole de Dieu c'est la vision. Even though you didn't receive any vision, any dream about your future, about your life, this is your future. This is your vision. Hallelujah. Would you like to go quickly to... Jeremiah 29? Jeremiah 29, verse 11. If you find it, you can read. Yes. Jeremiah chapter 29, verse 11 says, stop there. I know. When you start doubting, God says, stop doubting. Me, I know. Quelqu'un peut lire en français? Papa Jean, vous pouvez lire? Oui. Car je connais. Attendez d'abord. Car je connais. C'est-à-dire, quand tu viens avec des explications, des problèmes devant Dieu, il t'arrête et dit, non, moi je connais. C'est ce que je vais faire avec toi. I know what I'm going to do with you. Are you complaining about your wife? Are you complaining about your husband? Are you complaining about your children? Are you complaining about your life, your future, your money, your job? God says, keep quiet. I know. I know. Don't complain. Praise him, worship him. La Bible déclare, ce sont les adorateurs que Dieu recherche. Dieu n'est pas en train de rechercher les pleurnichards, les gens qui se plaignent à tout bout de champ. Dieu est en train de chercher les adorateurs. Un adorateur, c'est qui? Celui qui a la foi en Dieu. Il adore, même là où il ne faut pas louer Dieu, il loue Dieu. Seigneur, je vois ta grandeur. Je vois ta magnificence. Oh Dieu merveilleux, merci pour ce pays. Que ce soit Trump, que ce soit Kamala, que ce soit un démocrate, que ce soit un républicain, moi dans ce pays, j'avancerai, je vais prospérer, je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai la... Oh, tu n'as pas écouté. De telles prédications, il faut amener ça en bougimaille. Once you arrive to Mbujimayi, people start praising God. But when you go to Kinshasa, sometimes they are warm. But I don't want you to be, because it's cold outside, you are cold inside. No, even though it's cold outside, inside. Hallelujah. Pray for Jesus. Be like your knees. Hallelujah. Oh God, this is not a Catholic church. This is a Pentecost. Fire. Blah, 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 blah. Hallelujah. Amen, amen. No, moi je suis catholique plus que toi. I was even a brother. J'étais ce qu'on appelait, il y a les sœurs. Vous connaissez seulement les sœurs chez les catholiques. Mais moi, j'étais aussi un frère chez les catholiques. À Lusoko. Quand tu quittes, on le dit tout, tu commences à rentrer au Qatar. Il y a une place, on appelle ça Lusoko. C'est vraiment Lusoko, mais on priait Dieu. Alléluia. Que ta situation, que tes problèmes ne t'empêchent pas de louer et de glorifier Dieu. Don't let your circumstances, your problems, your difficulties, you put it on your head and you start telling God, oh my God, I can't worship, I can't praise you, I can't. No, you know God? God is like, when you go to the airport, you go to the plane,
there are places, I don't know, cargo, where you have to put your luggages. Then there are also a place in here where you have to put sac à main. Hein? Face? Face? Oh, yes, yes. There is somewhere where you have to put it. Don't go to airport that no, me, I'm from Africa. Moi, je viens de l'Afrique. Hey, moi, net, moi, j'ai des chers, tu ne veux pas, 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 tu Kumputu avec ça? Tu ne peux pas aller en Europe, mais tu montes dans l'avion, on te dit non, ça, on les met là-bas. Ceci, on met ça là-bas. Mais toi, tu dis non, ce sont mes fardeaux, je vais garder ça moi-même. Amen, amen. Donc, quand tu viens à Dieu, tu ne gardes pas tes fardeaux sur ta tête. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Oh, God. When you come to God, don't keep your luggage on your head. Don't keep your luggage on your shoulders. You're gonna die, Henry. Tu vas mourir trop tôt. Et tu seras fatigué. Tu ne toucheras pas ta destination. Le Seigneur est en train de dire que beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ces villageois-là quand ils ne veulent pas que quelqu'un puisse toucher à ces histoires. So you are doing, don't, when you come in front of God, don't do like that people from village, when they come in town, they keep their mentality and they keep their stuff on them. They say, oh, we're going to help you. No, 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 no. Ça, c'est personnel. Non, on les appelle les hôtesses de l'air. Ils sont là pour t'aider. Alléluia. Dans la présence de Dieu, les hôtesses de l'air, ce sont les anges de Dieu. Voici la voix de gloire. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Les hôtesses sont là. Le pilote, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu ne vois pas là où tu vas, mais tu sais quand même que le pilote nous amène aux États-Unis d'Amérique. Le pilote nous amène à Pointe-Noire. Le pilote nous amène en Haïti. Le pilote nous amène au Mexico. Le pilote nous amène là où lui connaît. Dieu connaît ton futur plus que toi-même. God knows your future better than you. Because he was in the future. In the present, in the past, is omnipotent. God is omnipresent. God is omniscient. God, il est omniscient. Il est omnipotent. Abraham a dit, Seigneur, je veux mourir sans enfant. Dieu est venu avec toute sa puissance, avec toute sa gloire. Il a dit à Abraham, il a dit à Abraham, je suis le Dieu de toute suffisance. Wow. Bien-aimé, si tu veux être heureux sur la terre, if you want to be happy on earth, have faith in God. Si tu as la foi, Dieu peut venir te demander, Salomon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? If you have faith, God's gonna come to you, that what do you need? You say, no, God, give me wisdom, only wisdom. Donne-moi la sagesse seulement. But our God, c'est Dieu qui donne au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Alléluia. Our God gives and provides above and beyond our needs. Beyond and above our needs. You ask for wisdom, he's gonna give you wisdom, he's gonna give you wealth, he's gonna give you houses, he's gonna give you money, he's gonna give you whatever, even what you didn't ask for. Dieu, c'est un Dieu qui donne au-delà de ce que nous demandons. Il a donné à Salomon ce que Salomon n'a pas demandé. Donc, au-delà de la sagesse,
Dieu lui a commencé à te donner. Quand Dieu commence à te donner, utakuyaka kunanza kutubu. Oh, mais le roi tout. Pasteur. Je te lance à mon assez séné, voilà, comme ma cogie, ou le femme en bombaye. Mais, combi, on a quoi que tout bout, Dieu a fait la couenne à moi minimum, ou fatana na beaucoup bon boak. Un jour, tu viendras te repentir. Non pas puisque tu as péché, ou bien on t'a attrapé quelque part en train de voler, ou bien de tricher, mais tu viendras demander pour ça. Oh, prie pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Surtout les soeurs, des sisters. Ah, ah, mais toi, tu viens d'essuyer tes larmes. Comment est-ce que tu regardes encore sur le papier mouchoir s'il y a des larmes? Alléluia. Tu viendras demander pardon en pleurant. Pourquoi? Puisque Dieu va te visiter dans une dimension surnaturelle. Dieu va te consoler au point où tu commences à pleurer et tu verses les larmes. Tu pleures et tu verses les larmes, mais les larmes et les pleurs de joie. Je ne savais pas que Dieu allait faire ceci. Je ne savais pas que Dieu allait faire cela. Moi, je ne cache pas mes témoignages. I don't hide my testimony. The first day I enter in the plane, bam, bam. On arrive à un certain niveau, les oreilles, ça bouche. Amen, amen. Avant que les oreilles puissent boucher, le fait d'entrer dans l'avion, j'ai commencé à pleurer. Ce n'est pas que j'ai pleuré à cause de la peur, j'ai pleuré à cause de la grandeur de Dieu. So, I step into the plane. I start to cry, not by fear or by doubt, but because of the greatness of God. I start crying. C'est comme les filles le jour du mariage. Tu vois, la mère est en train de pleurer, le papa est en train de pleurer, la fille aussi est en train de pleurer. Mais vous dites que, mais ils pleurent quoi? C'est une célébration. Non, ils sont en train d'expérimenter quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. J'ai commencé à pleurer dans l'avion. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Tu ne mens jamais. Pardonne-moi toute la fois que je me disais, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de visa, je n'ai pas de ceci, mais tu m'as donné la promesse. Tu m'as donné la promesse d'aller aux États-Unis d'Amérique. Je me demandais, je vais y arriver comment? Il y a un temps où j'ai diminué dans la foi. Je me disais, Seigneur, ça a duré, je souffre, les gens se moquent de moi. Et en plus, les prophéties au Congo, quand on te donne une prophétie, tout le monde écoute. Amen, amen. Alors d'autres vont te demander, mais toi tu iras quand? Mais yo, tu as passé mon temps. Mais hey, quelque chose va encore te consoler. Là, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit va venir avec une parole douce, gentille. Tu es là, tu dis, non. Ton mari est là, ça ira. Tu te dis, oh, maintenant je suis dans la confusion. Les gens disent que mon mari a déjà épousé une blanche. Mais une petite voix est en train de me dire que non, il est fidèle, il t'attend. Tu vois, ces derniers temps, il travaille beaucoup, il fait les overtime, les heures supplémentaires. Quand même, il t'envoie, il t'écrit, même si ces derniers temps, il ne t'a pas écrit. Azakakayayo, alléluia. C'est ça Dieu. Les gens peuvent dire de n'importe quoi concernant ton homme, concernant ta femme. Toi, crois en ce que Dieu t'a dit. Alléluia. My sister, my brother, people may talk whatever about your husband. People may talk whatever about your wife. But ask God. Alléluia.
Because if you listen to people, you're going to get confused. But if you listen to God, you're going to be like Jesus on the cross. Forgive them. They don't know what they are doing. They don't know what they are talking. They don't know what they are saying. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui pardonne. Une femme de foi, elle pardonne. If you are a woman of faith, you have to forgive people. Forgive your husband. Forgive your wife. Forgive your children. Forgive your parents. Tu ne peux pas venir dans l'église, tu es chrétien. Mais toi, tu viens si c'est de Moussoko Kantanda, tu viens si de Kanda Kanda, tu dis que non. Mais à chaque coup de à nous bagner la nuit, tu crois pour moi, mais non. Tu ne peux pas dire ça, alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien. Tu te dis, moi, jusqu'à la mort, cet homme-là, je ne peux pas le pardonner. Cette fille-là, je ne peux pas le pardonner. Ajoutez seulement, il ne doit ici, il ne doit. Même si quelqu'un est ressuscité aujourd'hui, moi je ne peux pas pardonner. Non. Un chrétien pardonne. Alléluia. Si tu pardonnes, ta destinée s'élargisse. Ta destinée est en train de s'ouvrir. If you are ready to forgive people, your destiny is open and wide. Alléluia. N'attends pas à ce que quelqu'un puisse prendre ses genoux pour s'agenouiller devant toi. Il y a des gens, quand tu t'agenouilles, au lieu de te pardonner, ils te giflent. Il faut pardonner. Alléluia. L'amour et le pardon marchent de pair. Love and forgiveness go together. I have one guy from Benin and one lady from Haiti. They just started their relation. I tell them that I'm going to be there to advise you. Whatever problem you have, please come closer. Because I believe that God brought them to me. Because whenever they come to the store, they start quarreling. Oh, toi, pourquoi si tu avais appelé cette fille-là? Oh, mais toi, si tu parlais dans ta langue, est-ce que moi j'entends créole? Toi, tu parlais en créole avec les hommes. Moi, je n'ai pas écouté. J'ai dit non, calmez-vous. Alléluia. Calmez-vous. Vous êtes au début de la relation. La relation, c'est comme ça, c'est comme si. Dans vos difficultés, moi, je vais vous aider. Si vous avez besoin de conseils, voici mon numéro. Appelez-moi. Vous êtes jeune. Vous ne pouvez pas vous quereller. So, two people, one from Benin and one from Haiti. The guy is from Benin and the lady is from Haiti. But they love each other so much. But still, they don't forgive each other. And there are some points and some areas they don't trust each other. When they come in the store, they start quarreling. No, you are cheating on me. They say, no, you are the one because your language, when you're talking to your own people, well, I don't understand what you're saying. Then I also say, no, okay. If you don't trust me, why are you still following me? Si tu ne me crois pas, mais pourquoi est-ce que tu me suis encore? C'est ça la relation. Donc, la relation, quand vous venez dans le couple, dans le mariage, dans le fiançailles, so at first, it's gonna be sweet because you are talking about sweet issues, sweet words, you know. But at a certain level, it's gonna be bitter. Ça va devenir amer. La relation va devenir amer. Maintenant, si vous n'avez pas de véritable amour et du pardon, si vous ne voulez pas exercer ça, ça sera difficile. Il faut quelqu'un de sagesse pour vous prodiguer conseil. Amen, amen. That's why people have coach in the world
to have discipline, and you cannot become a champion without a coach. Alléluia. Des coachs ou bien l'entraîneur, vous ne le verrez pas dans le terrain. Il reste dehors. Il prodigue les conseils, il vous entraîne, mais il ne sera jamais dans le terrain. Et il ne va pas remporter la coupe. La coupe, ça t'appartient. Mais pour avoir la coupe, il faut écouter les coachs. Alléluia. Notre coach par excellence, c'est Jésus-Christ. Applaudissons-le. Alléluia. Our coach by excellency is Jesus Christ. If you can hear from him, you're going to become the head, not the tail. You're going to become the winner, not the loser. Even though you are sick, you're going to get healed because you listen to the coach. Et aucun sportif est devenu champion sans un entraîneur. All athletes who became champions, they have coach or coaches. But even though they have many coaches, one is excellent. You too, you may have a lot of advisors, but the best of the best is Jesus Christ. He cannot deceive you. He cannot disappoint you. C'est pourquoi la Bible déclare, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Est-ce qu'on peut nous lire encore le Jérémie 29, verset 11? Can someone read again Jeremiah 29, 11? Projet de paix, papa, arrêtez d'abord là-bas. Projet de paix et non de quoi? Projet de quoi? De paix et non de malheur. Est-ce que c'est un projet de trouble? Non. Projet de quoi? Projet de paix. David est en train de dire, mon âme, pourquoi tu es en train de te troubler au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Alléluia. Même si tu ne sais pas comment tu vas payer le loyer, même si tu ne sais pas où va provenir la finance, place ta confiance dans ton Créateur. Place ta confiance dans le bon Dieu. Place ta confiance dans le pourvoyeur. Lui te connaît mieux que toi. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, va à la rivière. Le premier poisson que tu vas pêcher, pas de poisson, pas 3, pas 4, pas 5, pas 1000 poissons, mais le premier, un seul, ouvre sa bouche. L'argent est éteint. Ça, c'est la révélation. Alléluia. La foi, c'est aussi la révélation. Quand Dieu te promet la paix, Dieu te promet le bonheur, Dieu te promet l'excellence, Dieu te promet le succès, même si tu ne connais pas la procédure. C'est ça la foi. La foi, c'est tu peux ignorer la procédure, mais tu connais seulement le résultat. Alors, que tes yeux soient fixés sur la rémunération, que tes yeux soient fixés sur le résultat. Ce qui va se passer ici, ça ne te concerne pas. Oh, le désert, tu nous as dit de quitter l'Égypte. Vous commencez à murmurer, vous allez mourir. Mes frères africains, mes frères haïtiens, vous êtes aux États-Unis, pas pour murmurer, pas pour vous plaindre contre Dieu. Alléluia. Chers chrétiens, nous ne sommes pas aux États-Unis pour murmurer ou nous plaindre. Tu sais comment au Congo, on a empoisonné les gens. Tu sais comment au Nigeria, on a empoisonné les gens. Tu sais comment au Cameroun, on a empoisonné les gens. Tu sais comment en Ouganda, tu sais comment dans les camps de réfugiés, on a ensorcelé d'autres personnes puisqu'ils avaient le projet de venir aux États-Unis d'Amérique. Combien de personnes sont tuées? Combien de personnes sont mortes dans le désert? D'autres sont mortes dans les eaux. Est-ce que vous voyez les documentaires? Vous ne voyez pas comment que quelqu'un quitte si c'est il vend la parcelle, il quitte si c'est Côte d'Ivoire,
L'autre quitte Bénin, l'autre quitte Congo et ils se retrouvent en Libye ou bien au Maroc. Ils attendent traverser la mer. Ils attendent traverser l'océan. Alléluia. Mais toi, Nzambi wakwenzela, ngasa, Dieu t'a fait grâce. Nzambe yokelio mawa. Il t'amène dans le pays où coule le lait et le miel. Non, moi quand je commence à parler des États-Unis, les gens pensent que je suis malade. Ça, c'est un pays que moi j'ai rêvé depuis que j'étais petit enfant. Je m'excuse, in bracket, they used to call me Michael Jackson. Because I like America so much. J'aimais tellement les États-Unis d'Amérique, partout où j'ai passé. J'étais très petit, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On a commencé à m'appeler Michael Jackson. On m'amène ici, je danse, on m'amène là-bas, je danse. J'arrive à la maison, maman me dit, compte, nous sommes les chrétiens. Toi, tu danses les chansons du monde. Non, maman, je ne veux plus danser. Alléluia. Mais je ne peux pas mener, arriver aux États-Unis, commencer à me plaindre. Je dois placer ma confiance en Dieu. Tout ne sera pas facile, tout ne sera pas en rose, mais c'est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de mes frères haïtiens sont en train de me poser la question. Pasteur, Trump est passé, Trump est élu, quel sera notre sort? Bien-aimés, vous savez, avant que Trump devienne président, toi, tu es venu déjà aux États-Unis d'Amérique. Amen, amen. Donc, il devient président après toi d'avoir déjà piétiné le sol américain. Il y a ce que nous appelons la propagande, ou bien in English they call it propaganda. So, it's noise for nothing. Et chez nous à Kinshasa, on appelle ça Makelelea Wenze. Quelqu'un qui a la foi ne fait pas attention aux propagandes ou bien à la propagande. La propagande, tu risques de mourir jeune. Bien-aimé, ça a commencé depuis l'Afrique. Nous, on nous disait que, oh, mon nom est en Afrique. Batakata, ima eba ibe kona funga sa. 2003, 2004, batafunga. On va fermer, on n'a pas fermé. Si tu as Dieu, Dieu peut parler même au roi. Dieu peut parler même au président. Dieu peut parler à qui que ce soit que j'ai un mandat avec Carlos. J'ai un mandat avec Kazadi. J'ai un mandat avec Jean. Et j'ai traité alliance avec. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que les patriarches, les gens qui nous ont précédés dans la foi, la façon dont ils marchaient, ils allaient là où même ils ne connaissaient pas. La Bible déclare que Abraham a écouté la parole de Dieu. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays, va là où je te montrerai. La Bible déclare, Abraham a commencé à aller sans savoir d'abord là où il allait. C'est ça la foi. Amen, amen. So faith means God tell you that leave this, leave your household, leave your country, leave your nation. Go where I'm going to show you. It doesn't show you yet, but you start to just go. Kwenda, kumuna malu, kwenda, kumuna malu, kwenda, kumuna malu. Ça, c'est la chanson de ceux qui n'ont pas la foi. Celui qui a la foi, lui, quand il commence à chanter, kwenda, kumuna kulengela, kwenda, kumuna kulengela, kwenda, kumuna kulengela, kwenda, kumuna kulengela. Donc, tu chantes que, tu dis que voyager, ce n'est pas une souffrance. Voyager, c'est expérimenter les merveilles et les prodiges de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut arriver à une certaine dimension. Il voit que non, c'est moi qui t'ai pris de Haïti. C'est moi qui t'ai pris de l'Afrique. Ici, tu n'as
pas les moyens, il va commander au ciel afin que la manne, afin que la viande, afin que l'écaille puisse tomber sur toi. Il a un projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et quoi? De l'espérance. God gonna give you hope. So I want you to pray now. Nous allons maintenant prier. Si tu n'avais pas la foi, dis Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas la foi. Puisque la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. You're going to ask for forgiveness if you didn't have faith at the beginning or at the starting point. You're going to say, Father God, forgive me because I didn't have faith. What I have is only complaining, murmuring, seeing everything negative. But now I heard your word. Give me faith. Donne-moi la foi que je vois le bonheur. Qui est de l'espoir, que je vois, que je possède un futur meilleur, un avenir meilleur. Moi-même, si Trump pouvait m'amener à me faire entrer en Afrique, est-ce que moi, regardez-moi d'abord, comment est-ce que je suis en train de parler de la foi? Est-ce que moi, on peut m'amener en Afrique? Frère Carlos, si moi j'étais toi là, même si je venais de Haïti, personne aux États-Unis a le pouvoir et l'autorité de me refouler, de me renvoyer en Haïti. Moi, tu m'as fait traverser la frontière, demain je reviens. S'il faut me tuer, vous allez me tuer. Ça, c'est le pays que moi j'ai rêvé depuis mon enfance. Si vous voulez me tuer pour les États-Unis entièrement, puisque Dieu m'en avait parlé. C'est ça être un homme de foi, c'est ça être une femme de foi. Même si on te dit le contraire, toi dis non, Dieu m'a dit ceci. Et quand tu observes Trump, toi aussi ça va t'enseigner quelque chose. Puisque nous avons parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a aussi des hommes ici sur la terre qui fonctionnent comme s'ils sont fous, comme s'ils sont toqués, comme s'ils sont drogués. Tu vois Trump, combien de fois on a voulu le tuer, mais il a persévéré. Est-ce que ça ne te donne pas des leçons? Alléluia. Est-ce que ça ne te donne pas des leçons d'endurance et de persévérance? Que je peux aller chez l'avocat. L'avocat peut me refuser aujourd'hui. Demain après demain, je vais repasser. Regarde ton dossier. Reformule ton dossier. Dis non, en Haïti, il y a la guerre. En Haïti, il y a la corruption. En Haïti, il y a des complications. Au Congo, en Afrique, il y a des corruptions. Nous sommes venus ici à cause de la justice. À cause de la justice, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Tu ne peux pas me faire retourner dans la gueule des lions, dans les griffes des ours et des léopards en Afrique. Je vais mourir, je vais finir. Dieu t'a donné la bouche, mon frère. Dieu t'a donné la bouche. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas parler? La Bible déclare, parle toi-même pour te justifier. Speak yourself to justify yourself. And when we read the faith, faith is gonna, we are justified by faith. Vous savez, tous les gens de la foi, ils n'étaient pas parfaits. Amen, amen. All the people in the Bible, they were not perfect. But you're going to see someone like David, quelqu'un comme David. Dieu est en train de dire, l'homme selon mon cœur. A man after my heart. Because ce sont des gens qui savaient comment lire la parole de Dieu, comment méditer sur la parole de Dieu et revenir devant Dieu, dire que non, Dieu, ta parole dit ceci. These are the people who knew how to read the word of God and bring the word of God back to God. Dieu regarde et dit, non, je n'ai jamais vu une telle foi. Lisez là l'histoire d'Arabe. La Bible est en train de dire, Arabe, la prostituée, elle a été sauvée, elle et sa famille, non pas à cause de ses actes, puisqu'elle était prostituée, non pas à cause de ses actions, puisqu'elle était une adultère, une pute. Mais la Bible déclare, elle a été justifiée à cause de sa foi en Dieu. Puisqu'elle a sauvé les espions.
Alléluia. Waouh. Il y a des choses dans la Bible. La Bible ne nous encourage pas de pécher. La Bible ne nous encourage pas de faire le mal. Mais la Bible nous encourage d'avoir la foi en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Le centenier romain a dit à Jésus, « Non, loba kaka li loba moko. Tu n'as pas été déplacé. » Est-ce que lui, il était parfait, le centenier? Loba kaka li loba moko. Moi, nananga, à cause de la nini, Akobika, dis seulement un mot, mon enfant sera guéri, mon enfant sera sauvé. Seigneur, dis seulement un mot, moi je vais vivre aux États-Unis. Seigneur, dis seulement un mot, je vais faire la fortune aux États-Unis. Seigneur, dis seulement un mot, je vais voir des enfants, les enfants de mes enfants aux États-Unis d'Amérique. Si on va rentrer en Afrique, ça sera peut-être après ma mort, comme Jacob qui a dit qu'un jour, Dieu va aussi nous visiter. Si nous allons commencer à entrer, prenez même mes os, c'est ce que Jacob avait dit. Bien-aimé, tu n'as pas encore mangé les beefsteaks aux États-Unis, mais tu veux qu'on te déporte. Non, tu n'as pas la foi. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce de vivre dans ce pays. Je suis un étranger. Je suis un étranger dans ce pays. Je suis un passager. Je ne sais pas où aller. Mais je sais que la Constitution américaine appuie aussi le verset qui protège les étrangers. Alléluia. Que tu protégeras les étrangers. La Constitution américaine. Vous voyez, l'Amérique ici a été créée avec la parole de Dieu. C'est pourquoi ils disent, en Dieu nous nous confions. In God we trust. J'ai toujours répété ça, pour que ça entre et que ça reste. Ne considère pas les Américains comme nos dirigeants africains. Ici, c'est différent. Ne considère pas les dirigeants américains comme les dirigeants haïtiens. Ici, c'est différent. Personne ne peut te bouger ou bien ne peut te faire quitter le sol si tu connais ta foi en qui tu as placé et si tu connais tes droits en tant qu'un être humain. Alléluia. Papa, 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 papa
Papa one you, Papa one you, yo one you, yo Masia one you, yo yo, Papa one you, Papa one you. Commence à prier, prie pour tes problèmes, prie pour tes problèmes, prie pour tes dossiers. Tu n'as pas droit aux soucis, tu as droit à la prière. Au lieu de te faire des soucis, commence à prier. Au lieu de te lamenter, commence à supplier ton Dieu. Au lieu de te faire des nuits blanches, commence à méditer sur la parole de Dieu. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour te faire souffrir. Il a des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de prospérité, des projets d'excellence pour te donner de l'avenir ainsi que de l'espérance. God has good plan with you. God has good plan and wonderful plan for you. Oh, Dieu n'est pas là pour te faire souffrir. Dieu n'est pas là pour te faire malmener. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un d'entre vous, son enfant lui demandait un pain, qui va lui donner une pierre? Oh, à combien plus forte raison votre Père Céleste, si votre enfant vous demande un poisson, est-ce que vous allez leur donner un serpent? Rien du tout. Alors, votre Dieu, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Prie mon frère, prie ma soeur, tous tes besoins. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Où irai-je encore, papa? Où irai-je encore? Où irai-je encore si tu me cherches de ta présence? Où irai-je encore si tu ne me pardonnes pas? Où irai-je encore si tu ne me nettoies pas dans ton sang? Si tu ne pardonnes pas les péchés? Si tu ne pardonnes pas les iniquités? My God and my Savior, come and forgive your people. Come and cleanse your people in your precious blood, in the water of your word, in the Holy Spirit. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, my Father, my God, my Father, my God, my Father, my God, I need you more than ever, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Father God, I say thank you. We glorify your name. We celebrate you. You know the need of your people. Tu connais les besoins de tes enfants, Seigneur. Que tes enfants ne vivent pas dans la confusion. Que tes enfants ne vivent pas dans le doute. Que tes enfants ne vivent pas dans la déception. Seigneur, démontre et manifeste-toi que tu es la lumière du monde. Manifeste-toi, Seigneur, que tu es leur créateur. Tu es leur créateur, Seigneur. Tu es leur créateur, tu es leur maître par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le Alpha, c'est toi le Emmanuel, c'est toi le Oméga de leur vie, ô Dieu. Viens te manifester, viens te révéler dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin que ses yeux soient braqués sur toi, afin que son cœur soit fixé sur toi, quel que soit ce qu'on va dire à gauche, quel que soit ce qu'on va dire à droite. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui avais dit à Pierre, viens vers moi. Oh, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Mais une fois qu'il a fixé ses regards sur toi, Seigneur, tu l'as relevé. Relève mon frère ce soir. Relève ma sœur ce soir. Celui qui était prêt ou prête à faire naufrage par rapport à la foi, Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur
me donne quelque chose à cœur, qu'il faut prier pour quelqu'un ici. Si tu as besoin de la prière personnelle, tu peux même élever ton doigt. Si tu veux venir devant, ça te regarde, tu peux venir devant, on va prier pour toi. If you feel like you need prayer where you are, you can raise up your hands, you can lift up your hands, or you can pass in front. We're going to pray for you. In the name of Jesus, this is faith. Tu as prié seul, tu as vu que de toi-même, ça ne peut pas marcher. Il faut que l'Église t'aide à prier. Nous avons les yeux fermés, our eyes are closed, and we are praying for each other in the name of Jesus. Père éternel, je suis en train de recommander ton Église sous ta grâce et sous ta puissance. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur. Tu sais ce qu'elle est en train de traverser. Tu sais ce que mon frère est en train d'endurer. Si toi tu n'interviens pas, Seigneur Jésus, ma sœur n'aura plus d'espérance. Mon frère n'aura plus d'espoir. Accepte, ô Dieu, de te manifester. Touche son cœur, touche son cœur, touche son âme, touche son esprit, afin que, ô Dieu, que la restauration, ainsi que, ô Dieu, un avenir meilleur, puisse s'installer dans sa vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui peut te combattre au travers de tes songes, au travers de tes rêves, nous les arrêtons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois tes papiers, reçois ton intégration, reçois ton installation aux États-Unis d'Amérique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Poussez Amen quatre fois. Amen, Amen. Amen, Amen. Applaudissons le roi de gloire. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Heavenly Father, we're going to pray for the eyes. Nous prions pour les yeux de cet enfant. Il a les douleurs. Nous allons dire, Seigneur, fais grâce au nom de Jésus, car le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront pas les pasteurs, pas les fidèles, pas les gens, mais ceux qui ont cru. Alléluia. C'est-à-dire que les miracles accompagnent ceux qui ont la foi. Alors, si tu as la foi, prions pour l'enfant. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de puissance. Let us pray for this child. He has problems of eyes. In the name of Jesus, the Bible says, these are miracles that are going to follow, not the pastor, not the believer, but those who have faith in Jesus Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Au nom de Jésus-Christ, receive your healing. Receive your restoration. In the name of Jesus Christ. Father God, I surrender the demon under your power and your grace under your grace. Remember the house of God. In the name of Jesus, tu viens toi de te poser. Tu viens toi, ô Dieu, de tout ce qui est à travers. Je te soumets ton mari, je te soumets ses enfants, je te soumets ton boulot, ton argent, sa finance, ton ami, l'éducation, la façon de tes enfants, toute ta grâce, toute ta puissance, toute ta providence, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu donne le feu de votre cœur. C'est l'homme qui est écrit. Fais de l'éternel ses délices, il s'y donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. May God give you the desire of your heart. In Jesus, my name. Amen. Amen. Rabashi. 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 Nous allons prier pour Papa John ainsi que sa femme. Vous allez élever les mains. Vous allez verser vos mains ici. Nous allons prier pour eux. Tout ce que Dieu va te mettre dans le cœur. Ils ont eu confiance en toi, puisque toi,
Yeke bayende yabasha, rabasaika, rabayenda la babobe, aile kanta, le
je vois la lumière. La lumière de l'Éternel continuera à vous accompagner dans ce pays et dans vos prières, dans vos requêtes. Mais il n'y a pas d'hésitation dans ce que Dieu était dans vos cœurs depuis que vous avez pris la ferme résolution de venir aux États-Unis d'Amérique. Alléluia. Dieu a, les hommes peuvent avoir un contrat, mais Dieu a une alliance avec eux. Et l'alliance de l'Éternel, c'est des générations en génération. Dieu vous a donné les États-Unis d'Amérique. Seigneur Jésus, merci pour les États-Unis d'Amérique que tu as donné à mes sœurs. Enlève l'hésitation, Seigneur, que la lumière les accompagne. Dans tous ces noms, elles ont besoin en nom de Jésus. Amen. Amen. My God, my Savior, Father God, you know everything that my brother, my sister, even more than me. I surrender, brother, to you and my sister, my precious aunt, Carolette, and I be there according to you in the name of Jesus Christ. Thank you for speaking and talking to your hearts. In the name of Jesus, amen. Hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. My God, my Savior. My God, my Father. My God, my Father. My God, my Father. Lala, my sister, you know, like in the Bible, they are talking about Esther. So when God looks at you, God sees Esther through you. Quand Dieu est en train de te regarder, ma soeur Lala, Dieu est en train de voir la grâce d'Esther t'accompagner. La grâce d'Esther t'a environné. La grâce d'Esther t'a accompagné. Tu as une grâce royale. Tu as une grâce royale. You are a royal grace. A royal favor. Partout où tu passeras, dès à présent, ça va réussir. Alléluia. Wherever you're gonna pass through, wherever you're gonna go, my sister Lala, the grace and the favor of God is gonna hit you, is gonna be with you, is gonna escort you. Hallelujah. Clap for Jesus. Hallelujah. Dieu va t'aider. Dieu va te soutenir puisqu'il t'a donné un cœur de soutenir. D'aider, pas seulement de soutenir et d'aider, mais si tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu as mal au cœur. Alors Dieu va te faire grâce. Reçois la grâce de l'Éternel. Receive that grace. Receive that favor. In the name of Jesus Christ, Son of the Living God, let us applaud. Alléluia. La Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Amen, amen. Un jour, le prophète Élie dira, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que moi je parle, puisqu'il était serviteur de Dieu. Je suis en train de parler maintenant à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui sont sous la panique. Que ne paniquez plus, n'ayez plus peur, ne tremblez pas. Dieu vous a donné ce pays. Vous allez avancer aux États-Unis d'Amérique. Vous allez prospérer aux États-Unis d'Amérique. Vous allez continuer à dire amen quand vous recevez la parole de Dieu. C'est ça la foi. Amen, amen. You shall prosper in the United States of America. Amen. You shall be the head, not the tail. Amen. Whatever you touch shall succeed, shall prosper in the name of Jesus. Amen. Amen means
Amen. Je reçois. Alléluia. Applaudissons le roi de gloire. Nous sommes à la du culte. Nous nous tenons tous debout. Oh, merci Jésus. Nous nous tenons tous debout. Mais à la fin, j'aimerais avoir. Je vais parler, je vais m'entretenir avec les frères qui viennent d'arriver. Alléluia. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Tends-moi la main. Tu as soutenu Josué. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Jéhovah. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Ofandinalo la yo kumama Yahweh. Yahweh Yokumama, Lola Yokumama Yahweh, Yahweh Yokumama, Fandina Kiti Yabu Zibayo, Yahweh Yokumama, Yokumama Yahweh, Yokumama, Fandina Kiti Yabu Zibayo. Yahweh Betulama, Yokumama Yahweh, Yahweh Yokumama, Olivo Mosatu Yokumama Yahweh, Yahweh Yokumama, Yokumama Yahweh, Yokumama, Olivo Mosatu Yokumama Yahweh. Yahweh Yokumama, Yokumama Yahweh, Yokumama, Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia, 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 Hosanna, Mungone, Baba, Hosanna, Mungone, Mwema. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Libangana, Tadouza, Libangana, Tadouza. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Kosina, Yuda, Hosanna, Kosina, Yuda. Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, chantons, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, chantons, Hosanna, chantons, chantons, Alléluia, Hosanna, Yahweh. Tu vas élever tes mains en signe de réception.
You're going to lift up your hands in sign of reception or receiving. Jesus saying, whatever you are praying for, whatever you are asking for, believe that you have received it and you're going to see its fulfillment. Jésus-Christ est en train de dire, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Tu ne vois pas, mais tu crois. You don't see it, but you believe it. Tu ne crois pas, mais tu vois comme si tu reçois. La foi, c'est cette main invisible qui reçoit. Faith is the invisible hand that is receiving. Lift up your hand and commence à recevoir. Reçois ce travail. Quand je dis reçois ce travail, toi tu dis amen. If I say receive that job, you say amen, I receive it. Ou bien amen, je le reçois. Alléluia. Reçois ce travail au nom de Jésus-Christ. Reçois ce mariage au nom de Jésus-Christ. Receive that marriage in the name of Jesus. Receive that finances in the name of Jesus. Reçois cette finance au nom de Jésus-Christ. Reçois le bonheur au nom de Jésus-Christ. Reçois les opportunités au nom de Jésus-Christ. Receive opportunities in the name of Jesus. Receive happiness in the name of Jesus. Receive finances in the name of Jesus. Reçois le bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois une longue vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'installation aux États-Unis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'intégration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la résidence aux États-Unis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la citoyenneté aux États-Unis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est je reçois, commence à répéter. I receive it. Oh, je reçois. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Reçois les enfants. Reçois ton enfant. Reçois ton mari. Reçois ta femme. Receive your husband. Receive your wife. Receive your children. Receive your the favor. Receive it. Receive her in the name of Jesus. Receive good future. Receive prosperity. Reçois le progrès. Reçois un avancement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a créé pour avancer. Il est écrit, j'espère et je désire. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu vas prospérer à gauche au nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer à droite au nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer au travail au nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer sur cette terre au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui t'a amené dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Applaudis le roi de gloire. Merci Jésus. Alléluia, Jésus. Tout ce que vous avez reçu, que cela soit couvert dans le sang de Jésus, afin que quelqu'un d'autre ne puisse pas l'arracher. Recevez au nom de... Applaudissons le roi de gloire. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous saluer. Et pour ceux qui n'ont pas rendez-vous avec moi après cette séance, vous allez partir. Mais ceux qui ont... programme avec moi après cette séance, vous allez vous asseoir, on va s'entretenir. D'abord, nous saluons nous tous, tu te présentes, c'est qui, tu viens d'où, et Wafuma Kuti, where are you from, d'où viens-tu, comment tu t'appelles, et d'onde de Mexico, ok, saluons-nous, on se salue dans la joie. Alors, merci.
Alléluia. Ok. Ce qu'on va faire, Thank you.
faire